Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 septembre. Le dimanche, je participe à des randonnées avec un groupe de marcheurs internationaux. C'est parti! Qu'en pensez-vous? Ça ressemble un petit peu au chemin des douaniers. Alors c'est vrai que la roche est un peu moins rose que par chez vous. Mais c'est quand même un peu approchant. Regardez comme c'est sympa. Découverte que l'on fait lorsqu'on vient se balader ici. C'est tout à fait sécurisant. Vous pouvez venir avec vos enfants, vous voyez. Alors bien sûr, il faut veiller à ce que la marée soit basse à l'aller et au retour. Voilà, j'ai enfin réussi à rattraper le groupe. J'aime bien ce petit coin là. Il y a une vue panoramique depuis là-haut et puis des installations qui ont été réalisées pour décorer. Salut toi! Hello! Hello! Salut! Ça c'est Lynn qui m'a appris qu'il fallait parler aux chiens. Mais en fait, ils sont pas si méchants que ça. Ça, c'est un resort qui a été abandonné avec une piscine qui s'est remplie par la pluie uniquement. Comme vous le voyez, c'est pas abandonné pour tout le monde, mais moi j'abandonnerais bien plein de choses pour vivre ici. Et vous, qu'en pensez-vous? You have step here. You can walk on the left side. Au fur et à mesure, on découvre une baie supplémentaire. Voilà, il faut bien quand même avoir un peu d'exercice parce que sinon cette randonnée ne serait pas une vraie randonnée. Et voilà. Alors celui-là, je ne sais pas quel nom il porte. On se demande même s'il est encore occupé. Quelle idée de faire un bâtiment de cette sorte ici. C'est vraiment bizarre, les gens ont des goûts. Ici on voit bien encore la mangrove. Les arbres tentent d'accrocher leurs racines à la terre. Sur une autre baie, on découvre ce petit coin à l'ombre du palais Tuvier. Une jolie balancelle sur laquelle vous pouvez vous allonger. Un petit coin de verdure. Malheureusement, la marée est particulièrement basse, donc pour se baigner dans la mer, c'est pas possible. Si vous aviez regardé la vidéo que j'avais faite pour à peu près la même randonnée au mois de juin, vous serez surpris par la différence de lumière, de couleur. Et la dernière fois, nous avions fait demi-tour à un endroit. Alors qu'aujourd'hui, nous allons aller jusqu'à là-bas en face, jusqu'au temple de Lamsor. J'avoue que je préfère ce type d'architecture à celui du bâtiment que nous avons vu tout à l'heure. Et encore une fois, quelques exemples d'arbres que l'on retrouve dans la mangrove. Mais le bougainvillé reste encore celui qui donne le plus bel abri. La particularité de cet endroit est qu'il abrite une cave.
une cave bien spéciale car il est exposé un Bouddha. Un endroit assez exigu et un Bouddha. Alors voilà un autre endroit où une rivière vient se jeter dans la mer. Donc cette fois, on doit traverser cela. Si on arrive à Bangkao, le port de Bangkao, petit port de pêche, ils ont fait pas mal de travaux pour permettre de retenir l'eau. Ils ont creusé et formé une digue. Vous avez une autre playlist qui est dédiée au restaurant typique que je vous propose de découvrir sur l'île de Koh Samui. Une autre sur les activités, une autre sur la vie locale, une autre sur l'expatriation. Voilà, n'hésitez pas à fouiner un peu sur ma chaîne pour trouver ce qui vous intéresse davantage. Je vous avais déjà montré Captain Tom. Captain Tom, c'est un restaurant. Le chef, c'est Tom. Il est très connu pour ses tatouages. N'hésitez pas à le contacter. Et puis ce coin-là est vraiment fabuleux. C'est un reggae beach, le reggae beach de Bangkao, avec une vue panoramique depuis la plateforme de cet arbre, un genre de tamaris. Et puis là, vous avez ce bateau abandonné qui est finalement fait partie du paysage maintenant. Voilà, après Bangkao, vous avez à nouveau de l'eau. Vous voyez comme quoi la marée est un petit peu remontée, mais à cet endroit-là, c'est un petit peu plus profond. Donc il y a plus de facilité pour se baigner. Et au fond, eh bien, nous allons arriver à Lamsor. Là, nous marchons sur la plage de Lamsor Beach. Et nous allons arriver au temple, ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Nous n'étions pas allés aussi loin. Encore une fois, en face de nous, nous voyons Koten Island, très jolie island avec très jolie île pardon, avec sa mangrove et ses collines, avec un très joli Bouddha blanc si vous avez le courage de marcher. Et puis on voit ici un peu plus à sa gauche l'île de Koten qui est actuellement encore très fréquentée par les touristes. Donc si vous voulez y aller, il faut y aller de bonne heure ou en fin d'après-midi. Donc là, au choix, soit vous passez sur les hauteurs, soit vous traversez dans l'eau. Tout dépend de comment vous êtes chaussé généralement. Le boss est sur la hauteur. Le boss, c'est Tom, notre leader. Et le reste du groupe, eh bien, moite-moite, on va dire. Ici, nous avons de l'eau jusqu'aux genoux, hein, donc c'est tout à fait faisable de passer par la mer en faisant juste attention aux rochers, car il y a un peu de rochers ou des coraux morts peut-être. Alors bien sûr, j'ai coupé quelques passages, hein, parce que la randonnée, là, il est environ 11h. Nous avons commencé vers 8h30, donc évidemment, là, la vidéo va être un peu longue, ça vous permet de vous en montrer davantage de cette jolie balade. Surtout avec une très belle météo et une belle luminosité. J'en profite pour rappeler que nous sommes le 18 septembre. Et encore une fois, vous voyez la très belle météo dont nous profitons. Koh Samui, encore une fois, de mi-juillet à fin septembre, vous avez de grandes chances d'avoir du très beau temps comme celui-ci. Même généralement jusqu'à mi-octobre, sans problème. Après, c'est un petit peu plus aléatoire. Je vous montre ce terrain vide, car c'est ici que s'est tenu le week-end dernier un festival avec un marché typique. Ici, il s'agit de la mangrove sur la plage de Lamsor. Cocotier. Palétuvier, celui-là c'est une jeune repousse
encore un cocotier et un autre palétuvier. Tout cela permet à la nature de rester figée, de rester fixée. Rien que par cette marche, vous allez voir plusieurs plages que j'ai déjà montrées en vidéo dans la série sur les plages, avec une météo différente, une lumière différente. Quelques images de ce petit port de pêche tout à fait méconnu, mais qui mérite vraiment une petite visite pour les amateurs de découverte de Koh Samui. Dimak, Kapunka. Le prochain qui me dit qu'il n'y a pas de plage déserte à Koh Samui, je le renvoie vers mes vidéos. Alors bien sûr, si c'est une plage déserte ou quasi déserte, ça veut dire souvent qu'il n'y a pas d'aménagement, pas de sunbed, pas de transat, pas de bar. Mais vous faites 50 mètres souvent et puis vous allez trouver une petite boutique où quelqu'un va vous vendre une boisson. Ça fera travailler un peu tout le monde, c'est très bien. Un palétuvier pour se mettre à l'ombre. Et voilà. Et voici le Cool Beach Bar qui s'est un petit peu déplacé. Et toujours une installation un peu de fortune entre les cocotiers, les branches de coco, pour une plage presque privée. C'est Mimi tout plein. Hello les toutous. Hello. Hello. Salut. Ils ont chaud. Nous aussi à vrai dire, hein, parce que là ça commence à taper pas loin de 11h15, 11h30. Ça tape pas mal. Sawadika. Hello. Are you Thai people? Or what are you cooking? Picnic, barbecue. Hello, sawadika. Eh ben voilà. Voilà typiquement le repas thaïlandais. Dimak, tini gung. Gung barbecue. Yes. Tini samtam. Samtam. Samtam petmak. Petmak mak. Salad pop. Oui. Ok, kapumaka. Bye bye ka. Ici on arrive à la hauteur du temple de Lamsor. Là derrière la rangée de villas, vous apercevez le nouveau temple. Et ici derrière, on commence à voir le Chedi. Mais il semblerait que le groupe se soit arrêté pour une petite baignade, dont je vais également profiter avant de terminer cette vidéo et cette randonnée. Voilà, ainsi se termine notre randonnée. Vous avez le temple de Lamsor ici, la partie la plus récente de la construction. Ici vous avez le parc qui est associé à Lamsor. Je l'avais filmé d'ailleurs dans la vidéo présentant la plage du même nom, plage de Lamsor. Et ici vous avez le Chedi, Chedi qui trône devant la mer en face de la jolie île de Koh Tan. On dirait qu'elle touche Koh Samui vu d'ici. Un jeune moine qui rejoint son hébergement. Voilà, c'était une longue vidéo mais aussi une longue randonnée. J'espère que vous avez apprécié, ça permet de montrer Koh Samui autrement. Voilà, nous allons tous rejoindre nos véhicules dans cette voiture. À bientôt pour d'autres aventures. Bye bye. How many people are we? 14 people. Voilà, nous sommes 14.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de le dire dans vos commentaires. J'espère que cette petite balade sur la plage de Koh Samui, dans le sud de l'île, du côté de Watanon, vous aura intéressé. C'est une balade que vous pouvez donc réaliser par vous-même. Je vous remercie pour vos likes, ils sont vraiment précieux. Vous savez que lorsque nous avons des likes et des commentaires sur nos chaînes YouTube, ça aide l'algorithme YouTube à faire remonter nos vidéos et les présenter à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Koh Samui. Bye bye !